Salut à tous, bienvenue sur Centurio TV. Nouvelle émission ce soir, c'est live indirect. Donc avant de vous expliquer le concept, je vous présente Gigantus, qui viendra de temps en temps en invité. Dites bonsoir Gigantus. Bonsoir. Parle dans le micro, on t'entend pas. Allez, excuse-moi. Nibanima, vous le connaissez maintenant? Merci. Donc ce soir, c'est la remise des survêtements, moment important, solennel, même dans le club. Donc le concept du live indirect, c'est qu'on vous présente un événement dans les conditions du direct, mais en différé. Donc pas de montage, rien du tout. Donc on vous laisse vivre l'événement. En live. En live. Voilà, la remise a commencé. Certains joueurs mettent déjà leur survêtement. Beaucoup d'émotions dans le regard de certains joueurs. Hein. Beaucoup d'émotions. Beaucoup ils sont. Certains survêtements semblent serrés pour certains. Ah, David est appelé. Je crois que c'est mon tour d'y aller. Allons-y. J'y vais être en tremblant. David, prends ton élan. Ah non. Erreur de casting. Un peu de confusion. Beaucoup d'émotions. Patrick est très ému. On voit même Diego qui a les larmes aux yeux. Larmes aux yeux pour lui. Ah, oui. Jacques. Jacques, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi il veut un survêtement. Donc. Tout à fait gigantesque. Parce que le sien est un peu court. Tout à fait gigantesque. Pour l'instant, il a dû faire une poussée de croissance cette nuit. Je suis pas sûr que le haut va pas compte couvrir ses jambes. Je suis pas sûr. Ah, voici le mannequin. Voici Merci. Le mannequin. Voici le mannequin. Michel a l'air tendu. C'est un moment très très important. À ma connaissance, c'est le premier survêtement du club. À ma connaissance aussi, Nibanima. Je suis tout à fait d'accord. Ça fait. Beaucoup d'enfants aussi. Jacques semble avoir du mal quand même. Ouais, c'est la poussée de croissance, c'est dur au début. Trouver sa taille, c'est pas évident. Timothée. Toujours un petit mot pour la caméra. Un ex-futur talent. Un petit interview, Timothée. Oui. Prenez le micro. C'est... Alors, qu'est-ce que vous pensez du survêtement? Bien. Mais il est très bien. Votre pull est assez laid, par contre. Voilà, là, c'est bon. Votre pull. Ah, bah, restez un peu. Donc, comment est la matière? Ça vous plaît, le survêtement? Oui, bien, il est très bien. Excusez-moi, j'y vais. Je prends mon élan. Attention, Gigantus, poussez-vous. Bon, Gigantus et ses fameux pantalons un peu trop courts. Voilà, c'est le problème de mesurer 2m69, c'est que les pantalons sont justes. Il revient. Il avait déjà un survêt sous son manteau, je pense que vous avez remarqué ces fameux survêtements pull laine. J'essaye quand même. J'ai pas été appelé. Bon, je crois qu'on m'a viré. Il y a eu confusion avec le David Le Breton. Il y a eu deux David de suite. Oui. Donc il cherche son XS, mais il le trouve pas. Vous savez que ça va être diffusé, hein. Vous savez. C'est moment émouvant, pardon. Pardon. Maintenant. Bon, le terrain est déserté. Où sont les joueurs? Bon, bah, il va falloir peut-être. Arrêter la rediffusion, manque de participants. Donc voilà, donc beaucoup d'absents ce soir. Beaucoup. On va se remettre. Hop. Beaucoup d'absents ce soir, donc il reste des maillots. D'ailleurs, un voleur de maillot ou survêtement, pardon. Je pense qu'on va devoir faire des soldes. C'est la période. David Duchère, t'as pas de maille Oui, David. T'as pas de survêtement? Oui, mais viens.
Viens t'expliquer, s'il te plaît, devant les spectateurs. Pourquoi n'as-tu pas de maillot? Je n'ai pas de maillot. Ni de survêtements. David, on se voit pour la photo. Je vais en prendre un pour la photo. Ouais. David, tu auras l'air ça, c'est pas dit. Ça. Nous allons rendre l'antenne. Rendre l'antenne. Merci à tous et à bientôt sur Saint-Tuyau TTTV. Saint-Tuyau TTTV. I'm having trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, still I try. No rest for crosstabs in my mind. On my own, here we go. Feel like they're gonna bleed right up and bulging out my skull. My mouth is dry, my face is numb, fucked up and spun out in my room. On my own, here we go. Set on overdrive. The clock is laughing in my face. Crooked spine. My senses dulled. That's the point I'm telling.